Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en Dodge aujourd'hui sur Activision Blizzard? Je sais que vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il parle d'Activision Blizzard alors que l'entreprise va se faire acheter par Microsoft? Donc, techniquement, pourquoi est-ce que ça devrait nous intéresser vu que l'entreprise va être sortie de la bourse? Alors, simple. Activision Blizzard cote à $75.60. C'est l'occasion pour moi de parler d'arbitrage. L'arbitrage est une opération financière destinée à assurer un gain positif, les mots, les termes, assurer un gain positif, ou nul de manière certaine, d'accord, en profitant d'écarts temporaires de prix constatés entre différents titres ou contrats. Je répète, l'arbitrage est une opération financière destinée à assurer un gain positif ou nul de manière certaine, en profitant d'écarts temporaires de prix constatés entre différents titres ou contrats. Combien est-ce que Microsoft a proposé pour cette entreprise? $95 l'action. Actuellement, l'entreprise cote à combien? 75,60 $ l'action. Dernièrement, les actionnaires d'Activision ont approuvé la transaction. Activision dit ceci, que au plus tard, en date du 30 du mois de juin 2023, la transaction sera totalement validée. Donc, ça nous laisse à peu près aux alentours d'ici un an à peu près. Mais ça peut arriver plus tôt, d'accord? Donc, présentement, qu'est-ce qui bloque encore la transaction? C'est la partie de la régulation. Donc, au niveau du bureau de la concurrence, on essaie de voir est-ce que c'est tout à fait correct, est-ce qu'il n'y aura pas une position monopolistique énorme de la part de Microsoft, etc. Donc, c'est aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe. Dans tous les cas de figure, il y a de fortes chances que cette transaction s'y passe, d'accord? Il y a de fortes chances. Mais également, si elle échoue, ce n'est pas grave parce qu'Activision vaut bien plus que $95 l'action. Ce qui veut dire qu'on est protégé également au niveau de la croissance, au niveau de la borne supérieure. Au cas où ça échoue, c'est qui est sûr, les gens vont peut-être revendre leurs actions ici à vil prix, mais nous, ça nous permet de racheter par derrière. Dans tous les cas de figure, ici, le prix, vous le connaissez, le prix que Microsoft propose, c'est $95. Et en date d'aujourd'hui, on est à 75,26, soit une décote, un potentiel de rendement à peu près de 25,6%. À ne rien faire. Vous achetez juste, vous dormez sur vos deux oreilles. Une fois que la transaction est validée, boum, on vous vire vos 25,6% dans le compte, direct. Vous n'avez rien à faire. Et juste pour préciser, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste pour vous montrer que parfois, il y a des opportunités d'investissement qui existent. Vous n'avez même pas besoin de faire beaucoup d'efforts ni de lire des rapports financiers ou quoi que ce soit. Vous avez juste à identifier à combien est-ce qu'on me rachète, quelle est ma cote en date d'aujourd'hui, quel serait le prix, quelle est la durée à peu près que ça va prendre avant que la transaction ne soit approuvée. Et au cas où la transaction n'est pas approuvée, est-ce que je vaux au moins ce $95 qu'on me propose ici aujourd'hui? La réponse est oui pour le 95, je vaux même plus que ça. Est-ce que la transaction sera approuvée? Il y a de bonnes chances. La probabilité est énorme. Et quelle est la date? Au plus tard, le 30 juin. On dit bien au plus tard. Mais plus sérieusement, je pense que ça va être effectué d'ici la fin de l'année. Mais dans tous les cas de figure, c'est un 25,6% en patientant. 25,6% pour à peu près un an d'attente. Donc, c'est un rendement extraordinaire. Donc, je ne vais pas trop durer. C'est une vidéo qui a été faite pour être rapide, très, très rapide. Donc, ici, il y a une opportunité d'investissement sur Activision Blizzard. Mais maintenant, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de votre compréhension des choses et ça va dépendre également de votre goût au risque. Donc, moi, je pense ici que c'est une bonne occasion d'achat pour, voilà, facile, entre parenthèses. Et à la fin de la journée, au pire, vous allez vous retrouver avec une entreprise extraordinaire qui pourrait valoir bien plus que ça. Au mieux, technique, 25,60%. Il n'y a jamais autant eu de certitude sur sur le rachat d'une entreprise. Maintenant, pourquoi est-ce que le prix est aussi peu élevé? Ah, moi, je ne sais pas. Il y a certains investisseurs qui décident de revendre leurs actions présentement. Et voilà, parfois, il reste également un risque que ce ne soit pas approuvé, entre parenthèses. Mais dans tous les cas de figure, cette entreprise-ci, je pense qu'elle vaut bien plus que $95 l'action. Dans tous les cas de figure, moi, je pense qu'on est protégé à la hausse comme à la baisse. Donc, faites vos propres recherches et prenez les décisions qui s'imposent. Merci.